La recette avec ses feuilles de laurier aide à perdre jusqu'à 1 kg par jour. Boire un petit peu de ceci fait perdre beaucoup de poids. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette recette est pour ceux qui cherchent à perdre du poids rapidement. C'est une mine d'or précieuse car elle présente des avantages qui sont loin devant ceux que vous avez déjà utilisés jusqu'ici pour vous aider simplement à perdre du poids. C'est un vrai piège à graisse. Même les plus compacts que vous avez stockés à l'intérieur de votre corps depuis des années, ceci va littéralement balayer toutes les impuretés dans leur ensemble. Donc voilà, si vous aimez prendre soin de votre santé, je vous invite à vous inscrire ici sur cette chaîne, appuyez sur la clochette de notification pour toujours rester informé de nos nouvelles vidéos. Comme je vous disais, cette recette va vous aider à éliminer l'excès de liquide accumulé dans le corps. Ces liquides sont souvent présents en nous et nous ne le réalisons même pas. Quelques exemples tout bêtes. Lorsque vous vous réveillez avec un visage gonflé, les joues gonflées, les paupières bombées, donnant également une impression de gonflement ou même d'engourdissement général. Genre vous avez mal au ventre, vous avez le ventre bien dodu, les bras bien gras, hein, ou même l'augmentation de votre double menton. Et peu de temps après, cela disparaît dans la journée. C'est presque toujours causé par l'excès de fluide corporel accumulé. Et en utilisant cette recette, ça va être exceptionnel pour votre perte de poids. Vous allez vous débarrasser de ces fluides rapidement. Un autre problème très commun qui arrive, même aux personnes qui ne sont pas en surpoids, c'est le mystère du ventre ballonné. On parle souvent de lourdeur d'estomac. Les feuilles de laurier favorisent le désengorgement de la région abdominale en particulier et favorisent la réduction du gonflement corporel en général. Les feuilles de laurier ont des composants riches qui valent la peine d'être utilisées. Pour cela, agissent comme un nettoyant dans la lutte contre la graisse corporelle, réduisent les gonflements, les gaz du ventre, l'acidité de l'estomac, soulagent également les douleurs abdominales. Elles contiennent des vitamines du groupe B, des sels minéraux, des antioxydants essentiels à l'organisme. Les feuilles de laurier ont aussi l'avantage de faire baisser le taux de glycémie et de diminuer le taux de cholestérol. Malheureusement pour les femmes enceintes qui allaitent leur bébé, la consommation de cette boisson est contre-indiquée. Les autres ingrédients qui complètent cette recette sont déjà très respectés dans le domaine de la minceur, de la diététique et même de la perte de poids. J'en ai énormément parlé dans plusieurs vidéos, que ce soit sur la prune, qui a un fort pouvoir laxatif, luttant efficacement contre la constipation et plus encore. Mais aussi, j'ai parlé du citron, des raisins secs, et des prunes. Donc on ne va pas s'attarder sur tous les ingrédients. Apprenons maintenant comment faire cette puissante recette. Rappelez-vous que si vous avez aimé cette vidéo ou même que si vous l'aimez en ce moment pendant que je vous parle, assurez-vous de cliquer sur le bouton like, partagez ceci avec vos amis, la famille, sur vos réseaux sociaux favoris, Facebook, Snapchat, WhatsApp, bref, partagez. Les ingrédients naturels, vous aurez besoin de 3 feuilles de laurier, 3 prunes séchées, 3 raisins secs, un demi-jus de citron, un verre de 300 ml d'eau froide. Comment faire la recette? Sélectionnez d'abord 3 feuilles de laurier. Vous pouvez prendre ça fraîche ou séchée. Ensuite, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous mettez ça dans un mixeur. Après cela, sélectionnez 3 raisins secs, 3 prunes séchées. Versez également dans le même mixeur. Ajoutez votre verre de 300 ml d'eau et votre demi-verre de jus de citron. Allumez votre mixeur et laissez-le tourner pendant au moins 3 minutes. Bref, jusqu'à ce que tous les ingrédients, en particulier les feuilles de laurier, soient complètement écrasés. Et en ce moment-là, versez dans un verre plein et buvez d'un trait. Sans ajouter de sucre, car comme vous le savez, grâce aux raisins et aux prunes, le contenu va être naturellement un tout petit peu sucré. Cette recette, pour avoir un effet encore meilleur pour la perte de poids et l'amincissement du ventre, devrait être prise tous les jours à jeun et frais et aussi en moyenne 30 minutes après le dîner le soir. Et prenez ceci aussi longtemps que cela est nécessaire. En parallèle, évitez de manger trop gras, trop sucré ou même trop salé. Et aussi l'alcool, ce n'est pas votre ami, donc méfiez-vous-en. Si vous pouvez accompagner ceci d'une toute petite activité physique, les résultats seront excellents. En quelques jours, vous verrez déjà de très bons résultats. Donc voilà, dites-moi dans les commentaire, est-ce que vous avez besoin de perdre du poids? Si oui, combien de kilos est-ce que vous souhaitez perdre et qu'est-ce que vous avez entrepris jusqu'ici? Depuis quelle ville est-ce que vous me regardez? Vous me soutenez? Et aussi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, partagez avec la famille, les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bisous!